bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé avec ce soir Gérard Miller, Jean-François Derecq, Maureen Dor, Raphaël Mesrahi, Isabelle Alonso et Claude Sarraute. Ça n'a rien à voir avec le froid et la consommation EDF qui a battu des records hier, mais on nous a annoncé, hélas, aujourd'hui, que monsieur 100 000 volts s'était éteint. Petit hommage donc à Gilbert Bécaud avec sa fameuse cravate à pois que nous portons tous ce soir. Claude, ah, c'était l'homme à la cravate à pois, Gilbert Bécaud. Mais c'était une gloire immense, vous n'avez pas idée. Ah ben encore quand même. Non, non, mais tu peux pas savoir, il passait à l'Olympia, tout le monde cassait les fauteuils. C'est vrai. C'était la folie totale. C'est là en tout cas qu'on voit qui sait faire un nœud de cravate ou qui sait pas faire. Hein. Isabelle, il est pas trop mal le mien. Le vôtre très bien, Gérard. Moi, on l'avait préfabriqué déjà mon nœud de cravate. Ah oui, bravo. Mais mets-le, moi, je l'ai fait. Vous avez une façon de porter la cravate bizarre, vous, Maureen Dor. Mesrahi. Ah non, je sais pas. C'est pas une écharpe qu'on vous a donnée. J'ai fait ce que j'ai pu hein, dans l'urgence. Derecq, bravo, c'est très bien, bel hommage. Pour 100 francs, on aurait pu aussi vous apporter du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues. À croire d'ailleurs que Gilbert Bécaud n'a pas eu envie de convertir sa chanson en euros à partir du 1er janvier. Voici pour 15,26 euros, un peu de... Ça collait pas. Ah, voilà. Votre chanson à vous préférée de Gilbert Bécaud, Claude. Nathalie. Comment ça fait? Oh, ça, mon chéri. La place rouge. Mais vous allez me le faire. La place rouge était blanche. Devant moi marchait Nathalie. Elle est belle, je me l'envoie. Nathalie. Ah ben heureusement que vous êtes aidé, Claude Sarraute. Hein. Vous, Derecq, c'est quelle chanson? Ah, c'est Mamie. Non, c'est pas toi. Hein. Non. Je suis Mamie. C'est comme ça, c'est Mamie. Oh, Mamie, Mamie. C'est pas lui, ça. Ah, c'est une chanson. Pas ah non, mais c'est une Isabelle Alonso, sérieusement. Moi, c'est Les cerisiers sont blancs. Comment ça fait? Les cerisiers sont blancs et c'est très énervant dès qu'on est un peu grand. Ah, là, là, ah, là, là. Je vous, Maureen? Seule dans mon lit. Moi, c'est l'important, c'est la pause, l'important. C'est la dose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Mesrahi? La solitude, ça n'existe pas. Et chante bien la le petit air. La solitude, ça n'existe pas. Gérard Miller. Ça va exister dans pas longtemps. Pardon? Je dis, Astrala, ça va exister dans pas longtemps. Gérard. Ah, moi, c'est sa chanson sur, sur l'injustice et le soupçon. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, l'orange. Merci à Isabelle. Heureusement qu'il est mort, il serait pas content de cette version. Et vous savez que Gilbert Bécaud, je sais pas si ça c'est vraiment une forme d'hommage qu'il aurait aimé qu'on lui fasse, mais quelque part, si on a Dan Bolander dans notre équipe, c'est un peu grâce à Gilbert Bécaud. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Vous vous souvenez de ça? C'était dans une émission de Christophe Dechavanne et on avait vu ces images-là. C'est peut-être un hommage spécial qu'on va rendre à Gilbert Bécaud, mais j'espère que lui ou sa famille nous en voudront pas. Mais après tout, on a tout essayé, c'est un peu différent des autres émissions. Gilbert? Est-ce que vous pensez la voir ce soir? Je demande pardon. Est-ce que vous pensez la voir ce soir? Qui? Le César. Ah, mais elle fait peur. Pourquoi l'aurais-je? Je ne suis pas nominé. Pas nominé pour les Césars ce soir? Pas du tout, non. Non, je ne prends pas de chance, vous savez. Quand on est nominé, on a un problème. Quand on ne l'est pas, on n'en a pas. Et vous présentez le journal télévisé depuis combien de temps? Est-ce que vous êtes malade ou quoi, mon pauvre chéri? Mon nom est Gilbert Bécaud, je chante. Vous vous trompez, faites un autre métier, on manque de bras dans l'agriculture. Rendez-la moi. Non, non, je me permettrai pas, monsieur Bécaud. Imbécile. Je me permettrai pas. Madame Bolander et Gilbert Bécaud. Bon. Je le signale, hein. Après ils s'étaient réconciliés, évidemment ça s'est arrangé entre Dan et Gilbert Bécaud qui était un type formidable que j'ai reçu plusieurs fois maintenant dans des émissions de radio et qui avait une pêche incroyable, on l'a appelé, c'est vrai, monsieur 100 000 volts. Absolument. Parce qu'il avait une énergie étonnante. Maureen? Ah, c'est un bel hommage parce que qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, hein? Sur ces images. Dan Bolander? Non, Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire
La photo du jour. La photo du jour, c'est celle de la neige en Corse. On voit là un hélicoptère prêt à intervenir dans une dizaine de villages encore bloqués par les chutes de neige. Le problème en Corse, évidemment, c'est que dès que quelqu'un porte une cagoule, on ne sait pas si c'est parce qu'il a froid ou qu'il est nationaliste. En tout cas, moi, je peux vous le dire, ça y est, grâce à cette neige, on a retrouvé Ivan Colonna. En revanche, en Afghanistan, on n'a toujours pas retrouvé Ben Laden. Où s'est mis Oussama? C'est la question que tout le monde se pose. On nous dit qu'il a sûrement quitté l'Afghanistan, il peut donc être partout Ben Laden. OBL d'ailleurs on l'appelle, hein, Oussama Ben Laden. Alors je conseille d'ailleurs à tous les enfants d'aider George Bush dans ses recherches et de tirer la barbe de tous les Pères Noël qui se trouvent devant les grands magasins. Regardez, c'est peut-être là que se cache Ben Laden. C'est vrai qu'en ce moment, Ben Laden peut se cacher partout, dans n'importe quelle crèche ou même dans n'importe quel cinéma. Regardez. Imaginez même qu'il se soit rasé. La solution est envisageable. Raser, une petite opération et hop! Ça vous fait pas rire, Isabelle? Ah ben si, j'adore, parce que c'est exactement le pire traitement qu'on puisse lui infliger à lui. Évidemment. Un peu de politique maintenant avec ce test que je voudrais réaliser sur vous, les amis, pour savoir si vous connaissez bien les candidats à la présidentielle, ceux du premier tour en tout cas. Celui-ci, est-ce que vous avez une idée de qui c'est? Non. Il s'appelle Claude Reichmann. Ouais, il est candidat à la présidentielle. On passe à un autre. David Douillet. Jean-Marie Matagne, candidat à la présidentielle. Incroyable. Un troisième. Le même, mais plus jeune. Non. Vous savez qui c'est, Gérard? Pas du tout. Jacques Cheminade, qui déjà a été candidat, je crois, à la présidentielle. Ah oui, oui, oui. Et, pourtant, et là aussi, il se présente encore. Il a la cravate de Gilbert Bécaud. Un autre encore? Ah, il est Guilleret, en tout cas. C'est Jean-Félix Valla, son nom. Celle-ci aussi est candidate à la présidentielle? Non. Si, je vous jure. Elle s'appelle Cindy Lee, elle n'a pas encore les 500 signatures, mais elle déclare être candidate à la présidentielle. T'as vu, c'est son sein qu'on voit là? Non. C'est son bulletin de vote. Tu me permets de penser une chose, Charles. Les autres, pour qui votait-on? Il y en a encore un d'ailleurs, deux candidats. Celui-là, on le connaît un peu mieux. Voilà. En tout cas, c'est François qui nous les présentait tous ce matin en nous disant que tous ces candidats voulaient être président de la République. Donc il y a Dieudonné, mais il y a aussi les inconnus. J'ai dans les mains un livre qui a suscité des vives polémiques chez les policiers et les gendarmes au moment même où ils manifestaient. Ça s'appelle « Vos papiers, que faire face à la police ?» C'est écrit par Clément Schuller, membre du syndicat de la magistrature. C'est publié aux éditions L'Esprit Frappeur. Avant d'en parler ensemble, c'est Dan Bollander qui l'a testé pour nous, mettant en pratique les droits des individus en cas de contrôle d'identité. En attendant bien sûr la sortie du livre « Comment faire face à Dan Bollander ?» Une caméra cachée par Marcel Bélanger. Bonjour, ici Dan Bollander. J'ai testé le syndicat de la magistrature contre les forces de l'ordre. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Contrôle d'identité. Vous avez vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Monsieur. Non, pardon, bonjour, je m'excuse. Vous n'avez pas montré votre pièce d'identité. Je fais un contrôle d'identité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, attendez. Histoire de fou, non? Monsieur n'est pas tenu de vous présenter ses papiers. Alors, ben, c'est très bien. Alors, s'il y a un magistrat qui est là et qui me dit qu'il est magistrat, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai le droit de faire un simple contrôle d'identité. Apparemment, monsieur dit non. Je suis policier, je sais ce que j'ai à faire. Prenez la carte à monsieur, s'il vous plaît. Il y regarde ou d'abord... Non, mais donnez-moi vos papiers. Vous êtes en règle, monsieur. Oui. Voilà, je regarde les papiers du monsieur. Oui. Tenez, monsieur, reprenez votre carte d'identité. Attends, monsieur le juge, je fais un contrôle d'identité. Je suis désolé. Donnez-moi votre carte d'identité. Mais ça va durer longtemps ou pas? S'il termine son contrôle... Ben oui, il faudra voir vos papiers d'identité. Vous l'avez vu assez longtemps, c'est bon. Mais non, j'ai pas eu le temps de le voir. Bah, vous l'avez vu trois fois. Mais le magistrat m'a empêché de les voir. Que je peux... Ne lui répondez pas. Bon, alors montrez-moi votre carte d'identité. Alors. Vous l'avez déjà vu trois fois, ça suffit. J'ai le droit de fouiller monsieur, par exemple. Non plus. Enfin, j'ai aucun droit, alors. J'ai le droit de quoi, alors? Ben, vous pouvez le palper, si vous voulez, mais pas le fouiller. Monsieur, j'ai le droit de palper monsieur, moi? Oui, là, vous êtes en droit. Je peux vous palper? D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Ah si, j'ai le droit. Oui, mais attendez, moi, je vais rentrer chez moi. Là, il a le droit. Montrez-moi votre carte de police, s'il vous plaît. Demandez-lui son matricule. Ah ouais, alors c'est mal, hein, voilà. Voici les vilains. Voici les vilains.
Ne lui parlez pas, ne lui parlez pas. Et pourquoi il ne me parlerait pas? Il n'a pas à vous parler, il n'a pas à vous répondre. Pourquoi il n'aurait pas à me parler? Si je veux lui parler, je peux lui parler. Je vais perdre la crédibilité de ma fonction. Mais vous n'êtes pas d'accord? Si, mais moi, écoutez, tout ça, ça me laisse froid. On a des surgelés. Merci. Non, non, madame. Pardon, je suis magistrat, vous n'avez pas à lui donner vos papiers d'identité. Ah bon? Enfin, si je voulais pas, je la montrerais pas, mais là, je veux bien la montrer. Ne lui parlez pas, madame. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, pourquoi madame ne me parlerait pas? Elle n'a pas à vous parler. Non, non. Bonjour, pardon, je m'excuse. Pardon, madame. Reprenez votre carte d'identité. Vous n'avez pas à lui faire voir votre carte d'identité. Non, ne lui répondez pas, madame. Faites voir votre... C'est moi, on est en République. Si je veux répondre à monsieur, j'ai le droit de le faire. Exactement. Faites voir votre carte d'identité, monsieur. Voilà. Pardon, je m'excuse. Si vous avez des problèmes à régler, vous les réglez comme vous voulez. Moi, j'y suis pour rien. Je vous ai fait voir mes papiers. Maintenant, je m'en vais. Ça, c'est une bonne réponse, hein. Répondre à un policier qui vous demande vos papiers, excusez-nous, mais on a des surgelés. Je trouve que ça devrait être dans le livre. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ce livre, Gérard Miller? Moi, je trouve ça très bien. Et je crois qu'il faut le préciser, c'est qu'à la fois tirer sur des policiers, c'est monstrueux. Et dans le même temps, on est dans un pays de droit. Et c'est très important que les gens, notamment les jeunes, puisqu'ils sont souvent très contrôlés, sachent quels sont leurs droits. Ça n'est pas antinomique avec le respect de la loi. Tu as raison, Gérard, évidemment que tu as raison. Mais sincèrement, qui oserait, à la demande d'un policier qui te dit vos papiers, s'il vous plaît, lui dire oh ben non, je n'avais pas le droit, sincèrement. Quelqu'un qui est exactement au courant de ses droits. Voilà. Ça devrait être enseigné dans les écoles de manière extrêmement précise, ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire dans les écoles aux enfants quand ils ont 14 ou 15 ans. Comme ça, on saurait exactement quelles sont les limites de ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Claude. Moi, je suis un peu mal placée pour en parler. Je suis vraiment juge et partie. Je suis une vieille personne, j'ai été agressée deux fois. La dernière fois, j'ai eu quand même une côte fêlée, un genou ouvert. Et vraiment, je me sens... quand on me parle d'idéologie sécuritaire, maintenant, je me sens pas bien. Voilà. Derek, vous êtes contrôlé souvent? Oui, d'ailleurs, un jour, il y a longtemps, j'habitais vers la rue Saint-Denis et je rentrais chez moi. Il y a un quart de flic et qui sort. Le mec qui sort, il me dit « Dis donc, je crois que je t'avais dit de plus traîner dans le quartier, toi. » Puis après, il me dit « Oh, excusez-moi !» Et puis il est remonté dans le quart. Mais Ezraïm, vous êtes contrôlé? Non, jamais. Ils sont pas fous. Ils ont pas de temps à perdre. Le temps qu'ils sortent ses papiers, qu'ils donnent son nom, mon Dieu. Maureen. Mais moi, je me suis jamais fait contrôler. Enfin, si, quand j'étais en voiture. Mais sinon, jamais. Et franchement, si je me fais contrôler, je m'en fiche parce que je suis en règle. Parce que même à la limite, même si j'ai pas mes papiers à ce moment-là, je leur ferai un grand sourire en disant excusez-moi, je suis désolée, j'ai pas mes papiers. Et ça va bien se passer. Donc, a priori, ça se passe toujours bien avec les gens qui ont rien à se reprocher. C'est peut-être... Ah non, alors là, je peux pas laisser dire ça, Maureen. Excuse-moi. Non, non, je voudrais dire une chose qui est très importante, le délit de faciès, ça existe. Moi, j'ai un copain qui est d'origine algérienne, qui est un citoyen français, né en France. Quand il va à son travail, quand il en revient, tout ça, il habite dans la banlieue parisienne, dans une ville très calme où il n'y a aucun problème. Il est contrôlé sans arrêt. Alors, ne dis pas ça, Maureen. Non, mais je suis d'accord. Ne dis pas ça. Okay, mais est-ce que ton pote oserait dire... Mon pote est obligé de fermer sa gueule parce qu'autrement, ils vont l'emmener au poste, etc. C'est ce que je te dis. Personne n'ose dire au policier, non, je ne vous montre pas mes papiers. Non, mais c'est vrai, moi, je connais le copain d'Isabelle et je trouve qu'elle a... Il va comment, Oussama? Alors, à quoi va lui servir ce petit truc-là? À quoi va lui servir? Il n'osera pas dire au mec, savoir... de toute façon, je ne vais pas vous montrer vos papiers. Est-ce que je peux faire une précision? Non, mais je suis d'accord avec Isabelle. Évidemment que le délit de faciès existe. Et évidemment que beaucoup de jeunes de banlieue souffrent des contrôles d'identité fréquents. Il y a une bonne raison, il l'explique très bien dans ce petit livre. Les jeunes de banlieue, excuse-moi. Non, mais j'ai commencé avant d'accord. lui. Alors, on a le droit de contrôler que les étrangers, les nomades et les automobilistes. Donc, il est normal que... Pas du tout. À la fois que ton copain souffre du délit de faciès parce qu'il peut donner l'impression qu'il est étranger, mais si, c'est absolument, ils l'ont expliqué très bien. Justement, les gens qui ont l'habitude d'être délinquants, qui ont l'habitude de ne pas être en règle, savent pertinemment ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire avec un flic. Eux, ils contrôlent parfaitement la situation. Donc, faut pas que tu mettes que tu trompes de cible. Quoi. Pour en savoir plus, on va accueillir tout de suite quelqu'un qui est d'accord avec la publication de ce livre, « Vos papiers chez l'esprit frappeur, que faire face à la police ?» On accueille tout de suite Evelyne Cirmarin, qui est, il faut le dire, présidente du syndicat de la magistrature. Evelyne Cirmarin. Bonjour madame. Alors, précisons-le tout de suite, vous n'êtes pas l'auteur de ce livre, mais vous soutenez totalement l'auteur.
tout à fait. Hein? Oui, oui, absolument. C'est un livre du syndicat de la magistrature. Voilà. Ce livre est sorti en octobre, je crois. Oui, il est sorti avant les manifestations de policiers, ce qui est important, c'est-à-dire ce n'est pas une provocation. C'est un livre qui explique aux gens ce que sont leurs droits. Chose dont on n'a pas parlé, c'est évidemment cette couverture et cette caricature où on voit, ça quand même, vous êtes bien obligé de le reconnaître, une caricature de flic un peu avec un nez de cochon. Enfin, c'est un petit cochon qu'on voit là. Oui, oui, absolument. Ça, c'est pas du meilleur goût. Mais c'est une caricature et en France, on a droit à la liberté d'expression, je crois. Et nous, d'ailleurs, les juges, dans notre brochure Justice, dans notre revue, on fait aussi des caricatures de juges. Oui, mais il n'est pas en cochon, votre juge. Non, c'est vrai, il est en juge. Non, mais sérieusement, c'est un peu provoque quand même, cette caricature. Je ne pensais pas qu'il y avait une guerre aussi frappante entre les juges et les policiers. Non, tous, on voudrait mieux exercer notre métier. Il faudrait que les policiers aussi sachent qu'on est d'accord pour qu'ils aient plus de moyens, des gilets pare-balles, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter à la couverture. Il faut lire le livre. Mais alors là, excusez-moi, mais je trouve effectivement que autant les citoyens doivent savoir leurs droits, parce que c'est important justement pour savoir quelle attitude avoir vis-à-vis des policiers, autant je trouve que cette caricature, elle est carrément infâme, c'est pas normal. Je vois pas pourquoi on affiche du mépris vis-à-vis des policiers qui se tapent quand même un très très sale boulot, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est incompréhensible. C'est vrai qu'on aurait voulu pouvoir défendre mieux ce livre, parce qu'on est plutôt d'accord avec le fond de ce livre, mais la forme... elle n'est pas très bonne. Mais c'est-à-dire que ça n'est qu'une simple caricature. Et encore une fois, je crois qu'on est un peu ému parce qu'il y a eu les grandes manifestations de policiers. Excusez-moi, mais pour moi, c'est en contradiction avec le bon fonctionnement de la démocratie, c'est le respect mutuel. On ne peut pas demander aux policiers de respecter les gens si nous-mêmes, on ne les respecte pas. Ça, je suis désolée. Oui. Gérard. Moi, je trouve que c'est un bouquin salutaire. Et moi, je rêve un jour que dans la police, il y ait le même mouvement qu'il y a eu dans la magistrature. C'est-à-dire des gens qui font leur boulot, qui respectent leur boulot et qui soient capables aussi de se contester un petit peu. Donc, c'est vrai que moi, je n'aime pas cette caricature. Mais en même temps, je trouve formidable ce que fait le syndicat de la magistrature. Ce sont des juges qui ont plein de pouvoir, plus même que les flics, et qui essayent de ne pas en abuser, que la police prenne parfois l'exemple aussi sur la justice. Et ce qu'on veut dire par cette caricature, simplement, c'est que quand on est victime de contrôle d'identité, justement, on est assez inquiet. Ce qu'on montre par cette caricature, c'est qu'on ressent souvent le policier comme quelqu'un qui n'a pas vraiment un bouquet de fleurs dans la main. Les policiers s'adressent aussi très différemment aux gens, d'après ce qu'ils perçoivent, de sa classe sociale, si cette personne a un accent. C'est vrai que le ton qu'on emploie pour lui parler est très différent. Et sur l'âge, par exemple, quand vous avez un casque de moto, les flics vous demandent vos papiers, vous enlevez le casque. S'ils voient que vous avez 40 ans, ils vous voient, ils vous traitent avec respect. Si vous avez 18 ans, ils vous tutoient, ils vous traitent mal. Et ça, c'est vrai. Oui. Le but de ce livre, ce n'est pas du tout d'enfoncer les policiers. Pas du tout. Mais ça, c'est un livre aussi pour les policiers. Il faut qu'ils le lisent. Oui, mais alors là, avec la couverture, c'est Non, allez, changez la couverture, faites une réédition, puis tout s'arrangera. Je voudrais aussi signaler que le ministre de l'Intérieur, M. Vaillant, a porté plainte contre ce livre. Oui, je crois que c'est un petit peu dommage, parce qu'en France, on a une certaine liberté d'expression, et M. Vaillant, il devrait avoir un petit peu plus d'humour, mais bon. Mais là, vous allez quoi? Vous allez les donner à des associations? Enfin, je veux dire, qui, c'est pour qui, ce bouquin? Ça coûte 10 francs, c'est pas cher. Ce bouquin, il est soutenu par la Ligue des droits de l'homme, par des tas d'avocats, par la revue Esprit, enfin bref, par des gens qui sont humanistes et qui pensent qu'on est dans un état de droit. Et j'encourage vraiment les policiers à l'acheter puis à lire la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, amis policiers, voilà, vous faites ça. Voilà, ouais, absolument, absolument. On vous remercie, madame Evelyne Cyr-Marin. Au revoir. Au revoir, vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Bravo. À partir de jeudi prochain, et jusqu'au 2 janvier, à l'espace Pierre Cardin, à Paris, aura lieu la 8e édition consécutive des Sapins de Noël des Créateurs. Une sorte de concours Lépine au profit de la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil. Mais au mépris aussi de ceux qui passent l'aspirateur, puisque 120 sapins originaux sont exposés, parmi lesquels ceux que vous avez vus sur ce plateau depuis le début de l'émission. Il y a un sapin en cône argenté avec des brillants blancs, signé Dominique Siro et Swarovski. Swarovski. Parfait. Il y a un sapin avec des fruits signé Gilles Dufour. Celui-là, c'est le plus beau. Ah oui, moi, c'est mon préféré. Il est magnifique, celui-là. Un sapin spirale en argent avec des brillants bleus et argentés signé Armani. Oh oui, oh là. Céline a créé un sapin avec des fleurs argentées, donc c'est celui-ci. Oh oui, oh là là. Il est pas mal. Carlo Ponti a fait un sapin tortillon en renard blanc. Il s'est pas foulé, hein. Oui, c'est un drôle de sapin, ça. C'est Darja Richter a fait un sapin caddie avec mannequin. Il est derrière moi. Voilà. Ah, c'est très drôle, ça.
Ça vous fait rire, ça? Ça fait très art contemporain, c'est marrant. Un sapin en tissu signé Bill Blass. Et puis, on va avoir un autre sapin, créé celui-là par notre invité qu'on accueille maintenant, monsieur Jérôme Dreyfus, créateur de mode. Bonjour. Une des nouvelles stars de la mode, dit-on, Jérôme Dreyfus. Vous le connaissiez, Isabelle? Oui, je le connaissais. Alors vous aussi, vous avez un sapin? Je cherche votre sapin depuis tout à l'heure, je ne le vois pas. Et non, j'ai demandé à l'incarnation de la féminité de le porter. Et voilà, elle est là. Eh ouais! Ça alors! Ça c'est original, hein? Oh ouais. C'est gag. Ouais, c'est plutôt gag. Excusez-moi, il faut la garder pendant 15 jours à la maison? Eh ouais! Écoute, pour combien votre sapin? Écoute, je sais pas, ça m'a coûté 300 balles à faire. Ça vous a coûté 300 balles à faire et on espère qu'il sera vendu plus cher parce qu'il y a des enchères, je crois, lors de l'inauguration jeudi prochain de cette édition des sapins de Noël des créateurs. Il y a une vente aux enchères, on pourra acheter au profit des orphelins apprentis d'Auteuil, Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, on pourra acheter ces différents sapins. Alors je voudrais qu'on parle un peu de vous quand même, Jérôme Dreyfus, parce que moi je ne vous connais pas très bien et j'ai vu votre CV, c'est impressionnant le nombre de prix. Vous avez seulement 27 ans et alors vous avez eu en 98 le premier prix pour de futur grand créateur. Vous avez été élu créateur de l'année, élu l'homme de l'année en 99. Vous êtes toujours de l'année, vous. Alors. Quelles que soient les années qui passent, vous êtes de l'année. Non, j'ai rien eu cette année. Vous n'avez rien eu cette année. Non. Vous avez le prix On a tout essayé. Eh ben, merci. Encore que je voudrais voir ce que... Je ne sais pas ce que vous faites, moi, en fait. C'est quoi votre style? Je ne sais pas, c'est un style qui va plaire à Isabelle. C'est très créatif, très novateur, très original. Très féminin. Ouais, très féminin. Il aime les filles très féminines. Jérôme Dreyfus, je voudrais vous montrer ça. Regardez ça, c'est un petit nounours qui va être mis en vente aussi aux enchères. Il coûte 3000 francs prix de départ. Ah bon? Quoi? Ce nounours, oui. Il sera mis en vente à l'hôtel des ventes de Neuilly le 19 décembre à 14h30. C'est un ours articulé de 8 cm de la marque Steph. Hier, j'avais un gros nounours, vous vous souvenez, de 2 mètres de hauteur. Oui. Là, c'est le plus petit. Oh là, comme tu es mignon. Et il date de 1910. Ah, voilà. Pourquoi 3000 francs. Bravo. 1910. Vous avez décoré un sapin chez vous, Jérôme Dreyfus? Eh non. Non, vous n'en faites pas? Et non, j'en fais pas, je m'appelle Dreyfus. Faire un sapin quand même. Moi, j'ai fait Noël, on m'a retiré tous mes points, je suis plus juif. Et puis t'es pas vraiment juif, t'es ashkénaze. Dis donc. Raphaël Mesrahi, puisque vous avez ouvert votre bouche, vous allez décorer un sapin? Oui, alors le sapin. Peut-être que vous pouvez aller aider Raphaël, Jérôme Dreyfus. Voilà, viens ma poule, on va décorer le sapin ensemble. Alors. Allez. Alors déjà, puisque on va démarrer par là, c'est la fin de l'euro, c'est la fin du franc. Et voilà, je vais mettre tous les trucs dont c'est complètement fini, c'est terminé. Parce que tout le monde m'a donné des trucs, donc j'ai les vieilles brosses de Jean-François Derek. Très, très drôle. Les brosses à dents pour Claude, parce que... Un avis de créateur, là, sur ce qu'est en train de faire Raphaël? C'est bien, c'est artistique. Il met tout à la même hauteur, mais des trucs en haut, des trucs en bas. Oui, parce que si tu veux, non, mais faites tourner, j'en ai pour pas 2 heures. Je vais quand même poser pendant ce temps une dernière question à Jérôme Dreyfus. Voilà. Vous faites uniquement les femmes, vous n'habillez pas les hommes encore? Eh non, pour l'instant que les femmes. Voilà pourquoi je ne connais pas ce que fait Jérôme Dreyfus. Oui, parce que Laurent, c'est une bête de mode. Voilà, c'est vrai. Mais où est votre boutique à Paris? On est vendu pour l'instant dans un grand magasin. On n'est pas de boutique multimarque. Et non, encore pas, ça va venir. Bon, ben voilà, alors, il faudra découvrir. Voilà. J'irai dans les rayons et j'essaierai de trouver les robes Jérôme Dreyfus. Voilà. Et ça, je mets mes DVD et je voulais dire, pour le petit tour, je démarre les enchères à 10 000, voilà, c'est pour les gosses. Gérard Miller, est-ce que vous souhaitez emballer mon Rinder? Oui, j'aimerais bien. Parce que si vous voulez l'emballer, j'ai un sac à sapin. C'est au profit de Handicap International. Vous l'achetez 25 francs, vous connaissez, ça fait plusieurs années que ça existe. Je crois même que Jérôme Bonaldi avait été un des premiers à le présenter à une certaine époque quand Canal Plus vivait encore. Et c'est au profit des enfants handicapés du monde entier avec Handicap International. Sur les 25 francs que vous donnez, il y a 10 francs qui vont aux enfants handicapés. Ça permet d'emballer le sapin le 26 décembre ou le 2 janvier. Et vous serez, vous, Jérôme Dreyfus, demain soir à l'espace Cardin pour cette 8e édition des sapins de Noël des créateurs. Merci à vous d'avoir prêté votre sapin pour Maureen d'Or. Merci. Bravo Jérôme. Un peu de cinéma.
avec des stars, parce qu'en février prochain sortira Ocean Eleven, un film américain qui réunit George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts. Ophélie Winter n'était pas libre. Nous vous reparlerons de ce film à sa sortie le 6 février prochain, mais voici d'ores et déjà la bande-annonce. La cible, c'est quoi? Depuis quand t'as pas vu Las Vegas? Tu veux qu'on braque un casino? Trois casinos. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Fantastique. C'était un casse impossible. La sécurité des casinos est totalement imbattable. Vous êtes vraiment malade. Exactement. Feu vert. Feu vert. Feu vert. Qu'est-ce que tu attends? Toutes mes félicitations. Vous êtes un homme mort. George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts. Ça s'appellera quand il sortira en France, il y aura un titre français, L'inconnu de Las Vegas. Oh. Mais pour interviewer ces stars américaines, nous avons, nous, envoyé à Londres, puisqu'ils étaient en promo tous là-bas, Raphaël Mesrahi, oui, c'est vrai, alias Hugues Delattre. Vous avez interviewé... Allez-y, donnez les noms. Alors, Matt Damon. Hein, Matt Damon. Andy Garcia. Andy Garcia, George Clooney. Et Brad Pitt. Et Brad Pitt. Ouais. Alors, on verra George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia en février quand le film sortira. On vous diffusera ça dans On a tout essayé, puisque par chance, c'est pour nous que vous avez fait c'est ça, vrai, Raphaël. Et grâce à vous, parce que la production, je la félicite parce qu'elle a vachement bien bossé. C'est vraiment. Catherine Barma qui a pris les rendez-vous. Voilà, voici donc le vrai Brad Pitt face à notre vrai Raphaël Mesrahi, un sujet réalisé par Christine Emmerich. Mr. Pitt, good morning. First question: how could you define the genre of that film? A comedy, A, drama, B, action movie, C, thriller, D, or other? Wow. Well, we call it a heist movie. It's a remake. It's a reworking of. Yes. Definitely. I mean, the only thing that's pretty much stayed the same is there's a guy named Danny Ocean, and it's in Vegas. They spent a lot of time reworking the script. I think it's really strong. So I'd call it just a heist movie. It's not much drama or histrionics in it. Everything's sort of light and not really. No. Not off. No. 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 I just call it good fun. I think you have never been so beautiful and charming in a movie. What do you think of that? Well, listen, you know, some work, some don't. You have an angle, you know, you see the end of the runway, but you don't always make it there. So, thank you. No. Before doing this movie, have you ever been in Las Vegas for a weekend? Because I did that with my uncle when I was 22. I remember I won $45. Oh. And both. It's not very important. Yeah. I read in the newspaper that Julia Roberts was paid $20 million. Don't you think, is it too much? No, I don't. Because of... Okay. I read in other paper, George Clooney and Andy Garcia are friends. And you? Yeah. We're all friends after this film. You are friends? Yes, I mean, since the film, we're all films. None of us really yes, knew... Yes, but and you? George Clooney and Garcia are friends. Uh-huh. And you? I think we're having a communication barrier here. Friends. The last question? We'll do a timeout here. You mean we're friends before the film? Yes, before the film. Yes, yes. No, I didn't know anyone but Julia. You have very sympathy. The okay. Last question. No. Thank you very much. And do you think if I progress in English, perhaps
You could make it in the films? Oh, no film, or American TV, or... I see you in kind of an action, you know, you start out with a bad guy, would be good, all right? Bad guy? Yeah, maybe Bruce Willis is chasing you. Why bad guy? And it's just a nice, easy place to start. And then you can work your way up to, you know, some porns. Okay, man. Okay. All right. Thank you. Bravo, Raphaël. Ah non, mais Zahi, moi je dis monsieur. Non, parce que c'est pas le tout, il faut quand même se retrouver face à Brad Pitt. Moi j'aurais des pétoches, je vous dis pas. Non, mais la vraie difficulté c'était que je devais piéger la star, les cadreurs, parce que c'était l'équipe du film qui filmait. Et derrière, il y avait une régie avec 10 écrans de télé, avec avocat, conseiller judiciaire, financier, attaché de presse, etc. Donc je piégeais à chaque fois 12 personnes. Parce qu'il fallait pas que je dise un mot de trop, ou, ouais. Parce qu'autrement, il y a quelqu'un qui arrivait, il est cut et c'est fini, je repartais pas avec les bandes. À combien de temps a droit chaque journaliste qui interroge les stars? 4 minutes avec lui, j'ai eu 5 parce que justement il a demandé un temps mort parce qu'il comprenait pas. Et pour la petite histoire, Marie-Jo Jouan qui faisait le sujet pour le journal télévisé de France 2 devait passer juste après moi et elle m'a dit il a demandé une pause d'un quart d'heure. Et Julia Roberts, mais vous l'avez pas eu, Julia Roberts? Non, parce qu'elle était pas là, dommage. Hein. Ah, c'est une bonne explication. Ouais, ouais. Non, mais ça, j'ai, quand elle veut, autrement, j'ai un peu l'interviewer avec plaisir. Julia Roberts, si vous nous regardez, Raphaël Mesrahi vous attend. Voilà. Julia, if you watch me. If you want to interview you, oh, no problem, alors là. Ouais, mais ça. En tout cas, si vous voulez voir George Clooney, Matt Damon ou Andy Garcia, eux aussi interviewés par Raphaël Mesrahi, c'est bientôt dans l'émission, mais il faudra regarder. On a tout essayé, tous les soirs. Voilà. Il a 28 ans. Il est né à Marseille, vous le connaissez pour le voir souvent sur les plateaux télé, particulièrement chez Thierry Ardisson, mais c'est avant tout un garçon qui sillonne la France de scène en scène. Alors que vidéo et DVD de son dernier spectacle au Palais des Glaces viennent de sortir, il passera les fêtes de fin d'année à l'Olympia à Paris les 29, 30 et 31 décembre. Attention, ce n'est pas Titoff l'acteur porno, pas Titoff le héros de bande dessinée, pas Pitoff le réalisateur, celui que nous allons tester ce soir sur ce plateau, c'est le seul, le vrai, l'unique Titoff. Salut. C'est vrai que vous vous reproduisez à vitesse grand V, les Titoff, en ce moment, j'ai l'impression. C'est incroyable, hein, hein. T'as oublié l'ailier gauche aussi de l'équipe de Russie. Exact. C'est vrai. Ouais. Alors, on vous prend pour un autre de temps pour en lui, temps. Pour lui, non. Pour l'acteur de film X, oui. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la pénombre, souvent, on peut comprendre. Extrait du spectacle. Je l'aime, hein. Mais tellement différente aussi, ma Clarisse, c'est différente de toutes ces radasses, là. C'est vrai, quoi. Ces filles, le soir, en boîte de nuit, elles se maquillent, on dirait des tomes modèles. Le matin, tu te réveilles à côté, c'est un chat en conina. Alors qu'avec Clarisse, vraiment, dès le matin, c'est le bonheur total, vraiment, avec elle. Avec elle, j'ai l'impression de me réveiller dans une petite prairie au milieu des coquelicots, qu'à tout moment, Charlie Gulls peut taper au carreau un café à la main. Non, elle est douce, elle est nature, Clarisse. Et puis, elle m'a fait comprendre rapidement que c'était du sérieux, elle m'a fait un grand signe d'amour. Elle m'a fait comprendre que c'était du sérieux, au bout de 2 mois, elle s'est arrêtée de s'épiler. Alors j'ai moi aussi de mon côté, je lui fais un petit signe, j'ai moi c'est comme ça, je vais pisser dans le lavabo. Hein. Ses parents à Clarisse, vraiment c'est des gens merveilleux, vraiment. Hein. Ils sont toujours à l'écoute, responsables, droits, toujours prêts à aider. Vraiment, vraiment c'est des gens merveilleux, vraiment. Hein. D'ailleurs souvent quand j'observe ses parents et que je me dis que certainement Clarisse et moi, plus tard on sera comme eux, eh ben, je me drogue. Titoff. Vous connaissez Titoff, ouais, Raphaël Mesrahi? Bien sûr. Je l'ai vu déjà. C'est... Ah, moi aussi, j'ai vu. Moi, j'ai vu les premiers pas de. Ah, c'est Raphaël. Vrai, il l'a vu. Mais c'était au festival de Porto Vecchio. C'est vrai. Vous avez gardé l'accent, hein, magnifique. Bah ouais, bah pourquoi je le perdrais je... Vous l'avez pour un moment, donc. Ouais, parce que mon accent, je réfléchis pas quand je parle, je réfléchis pas spécialement. Donc, ça, je vais pas ça, non ça plus. Ça n'avait échappé à personne. Ah, c'est une tigresse. Ça, ça me fait beaucoup, ça. Je trouve qu'il y a des moments très bons, mais c'est plutôt les côtés sketch. Moi, ce que j'aime moins, c'est quand j'ai l'impression que c'est un peu un dégoulis, que tu improvises, tu dis n'importe quoi. Et tu te réfères dans tes interviews
aux stand-up comedians, tu sais, aux États-Unis, mais chaque mot a été travaillé. Mm-hmm. Toi, ça n'a pas l'air d'être ton cas. Oui, mais je suis plutôt content de cette remarque, puisque tout est écrit et si tu veux, tu peux revenir voir le spectacle plusieurs soirs d'affilée, tu verras que c'est exactement mot pour mot et place pour place. Donc c'est bien que tu précises ça, parce que c'est exactement le but, ça veut dire que c'est plutôt réussi. Pas du tout. Et puis bon, après c'est normal aussi, c'est peut-être aussi des comiques de génération, et oui, tout à fait. Après aussi, au niveau de la compréhension... Il est malin. Je trouve cependant qu'il y a une espèce de pléthore de comiques aujourd'hui qu'on regarde avec énormément de complaisance, et si vous voulez, dont la réputation est très rapide parce qu'ils passent à la télé. On lâche à la télé les comiques alors qu'ils ne sont pas encore mûris par les salles de spectacle, le musical. Ça fait quand même un bon moment que je suis sur scène. D'ailleurs, moi, j'ai passé ma vie dans des cafés-théâtres à Marseille avec des troupes à jouer et à rester à Marseille parce que je ne voyais pas déjà d'une par rapport à tout. Je ne voyais pas pourquoi j'allais venir à Paris. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que je suis vraiment heureux de venir ici parce que ça prouve vraiment le côté justement que tu dis, le côté parisien. Cette émission est très parisienne en fait, et vous êtes très très parisiens tous. Vous avez un petit état d'esprit. Moi je suis en tournée en ce moment et c'est pas du tout ça. Et la France c'est pas du tout ça. Il y a la marre de dire la province avec ici, avec c'est là. Moi je suis marseillais, j'ai ni à réfléchir de perdre mon accent puisque je suis comme ça. Tu prends plutôt mal les critiques. Non, je prends pas mal les critiques, mais franchement, ça ressemble à une conspiration, ça ressemble à des... Non, vraiment, là, tu te trompes. Attends, moi, je trouvais ça très rigolo, je suis allé deux fois le voir. Allez-y, Gérard Miller. Alors non, mais moi, je veux pas vous indisposer. Est-ce que je dis ce que je pense ou vous préférez entendre quelque chose d'autre? Oui, non. Vas-y, dis ce que tu penses. Bon. Alors, moi, je voulais dire exactement ça, c'est que d'une part, je trouve que vous avez une vraie présence sur scène, que j'étais surpris même en regardant la cassette que je ne vous ai pas vue en spectacle, j'étais surpris de voir à quel point vous étiez présent, et d'un autre côté, mon sentiment, il faut bien quand même qu'on ait des sentiments qui ne vous sont pas entièrement favorables, je trouve très faibles les textes qui sont les vôtres. C'est frappant, et je me dis, il y a une seule personne que j'ai vue à 20 ans arriver avec des textes extrêmement forts, c'est Palmade. Il n'y a pas eu d'équivalent. Et je me dis qu'il y a peut-être une raison pour laquelle la plupart des grands comiques deviennent vraiment au sommet de leur gloire vers 30, vers 40 ans, comme Coluche ou comme d'autres. Je crois qu'il y a une raison à ça. Il ne faut pas que vous formalisiez. Actuellement, c'est vrai que vous... Je ne doute pas que ça marche bien. C'est quoi les textes? On ne fait pas de la poésie. Non, mais... Les textes, dès l'instant où il y a un rythme au spectacle et qu'il y a de l'efficacité... Non, c'est pas suffisant. Le comique, c'est sûrement un des trucs les plus difficiles. Ça a l'air facile comme ça, il n'y a rien de plus difficile à mon avis. Moi, je vais défendre Titoff quand même, on l'attaque pas. Il faudrait écouter, il y a des gens avec qui on a été beaucoup plus durs. Et systématiquement... Mais le prenez pas mal. Ça me rappelle dans les cafés théâtres. Mais le prenez pas mal. J'ai regardé avec attention le sketch sur les chips, qui est votre grand sketch. Ce qui fait la drôlerie de ce sketch-là, vous n'allez pas dire que c'est le texte. Mais moi, les canulars, c'est pour ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit par Laurent Ruquier, le côté chansonnier, le côté jeu de mots, comme ça, où la phrase vient de commencer, on sait déjà comment elle va terminer, moi, ça me fait pas rire. Donc, dans le spectacle, c'est tout l'inverse. Je veux que ça soit. Si vous savez. Attends, mais je peux terminer. Si vous savez à l'avance comment vont se terminer mes phrases, vous avez un avantage sur moi, parce que moi, je ne sais pas toujours. Non, mais moi, je voulais justement vous défendre, mon cher Titoff, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas nier qu'il y a un public pour aller voir Titoff, que les gens se déplacent, que ça cartonne partout. Non, mais vous me demandez mon avis. Un avis, c'est pas dire... ça, on sait qu'il a du succès. Vous n'avez pas un public rempli de Gérard Miller dans la salle. Je l'aime bien, mais c'est incroyable. Écoutez, alors, je m'excuse là, j'ai fait attention à ce que je vous ai dit. Vraiment, je trouve que c'est épatant ce que vous faites, et en même temps, je vous signale un point qui me semble évident, et si on vous retrouve dans 10 ans ce que je souhaite, je suis sûr que vos textes seront plus costauds qu'ils le sont actuellement. Je prends l'exemple des chips. Les chips, c'est très drôle, je l'ai regardé plusieurs fois avec les enfants, c'est quand même un comique de « oh, il y a une petite chips, et puis une grosse chips », et moi, je ferais le même texte que vous, ça serait grotesque. Vous, votre génie, c'est justement que vous arrivez à mettre même, un texte génie. Extrêmement, extrêmement mince, d'une minceur aussi petite que les chips que vous découpez, et que c'est drôle. Pourquoi vous voulez absolument réussir sur tous les plans? C'est incroyable. Il y a quand même... Je pense que Gérard Miller, il ferait sienne la phrase d'un critique parisien des années, je ne sais pas quoi, 30, 40, quand on disait oui, mais le public arrive, il disait oui, mais il est bien le seul. C'est un peu ça, hein.
Non, non, si, si, moi je veux dire. Attendez, attendez. La solidarité des humoristes va frapper. Non, c'est vrai, il y a quand même une espèce de racisme anti-comique, d'une façon. Enfin, racisme, c'est un grand mot. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, j'arrive, d'un coup, il y a la tout de suite, il y a des critiques. Pour faire des critiques, pour faire des critiques. Alors que ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut dire. Non, non, mais à un moment donné, justement, c'est la seule émission. Attendez, attendez. Attendez, c'est la seule émission. Ne tapez pas, restez là. Putain, reconnaissez justement. Oh. Reconnaissez. Est-ce que je peux placer un mot quand même, Titoff, reconnaissez au moins justement que pour une fois, peut-être, vous êtes reçu dans une émission où les gens ont regardé votre spectacle plutôt que de dire allez voir Titoff, regardez le DVD. Exactement. Ça ne se fait jamais ailleurs. Alors reconnaissez au moins à mes petits camarades ce mérite d'avoir regardé votre spectacle entièrement avant d'en parler. Oui, mais par contre, je ne veux pas accepter la critique de dire moi le spectacle, je l'ai conçu avec mon frère, mais quand après, quand il y a des critiques comme ça complètement obsolètes et complètement démodées, je ne sais pas pourquoi dans les rubriques, pourquoi tu n'as pas pris des jeunes, un peu des gens de 20-25 ans, comme ça peut-être qu'ils comprendront l'humour et je ne recevrai pas des critiques de vieux. Je ne suis pas Laurent, je peux dire quelque chose. Tu vas te mettre tout le monde à dos. Mais c'est pas grave. Moi, je viens volontiers tout de suite des critiques comme ça. Il faut que les gens sachent aussi de l'autre côté comment ça se passe aussi des fois dans la mentalité. La mentalité parisienne, la mentalité parisianiste qu'il y a. Je suis facile, moi je suis belle, je suis pas parisienne. Lui, il vient de Troyes, elle vient d'Auxerre. Arrêtez de dire que tout le monde est parisien sous prétexte qu'on passe à la télé. Je parle pas ça, je parle de ça. Moi aussi, je suis regardée. Et lui vient du Havre. Non, moi, Derek. Non, moi je veux pas me mélanger à ces critiques. Mais non, mais parce que, bon, d'abord, moi j'aime pas trop le comique marseillais a priori. Donc j'y allais à reculons, me dire oh là là, le comique marseillais, les gros trucs, l'OM, le truc comme ça. Et je trouve que justement, lui, il fait complètement l'inverse de ça. Il est très fin, très léger, très en finesse. Et voilà ce que je voulais dire. Alors effectivement, l'accent marseillais, ça n'aide pas beaucoup à être reconnu par les cercles parisiens. Le marseillais, ça va un peu plus. Moi, je viens tranquillement, moi, je suis super content. Moi, c'est bien, les gens vont acheter ton DVD parce que la promo, là, c'est énorme. Hein. Acheter non, le DVD, moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai fait la critique comme ça, mais pour vous prouver que je suis peut-être moins fermé que vous et peut-être plus ouvert que vous, moi, de mon côté, c'est vrai que Laurent Ruquier, je voyais avec les calembours, des trucs comme ça, j'ai dit, bon, c'est un peu, moi, par rapport à ma génération, ça me faisait pas trop rire. On s'est rencontrés, on a discuté. Moi, j'ai trouvé très sympathique, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'esprit. Je suis revenu tout de suite sur ma décision. D'ailleurs, c'est vrai, on m'a demandé qui avant tu n'aimais pas et tout. J'ai donné tout de suite cet exemple-là. Ouais. Parce que moi, j'essaye d'être sincère, j'essaye d'être naturel, j'essaye d'être moi-même. C'est incroyable. Moi, je vous trouve très sympa. On s'est effectivement croisés, comme on se croise parfois dans ce métier, ou deux fois sans se connaître d'ailleurs. Mais bon, on a un feeling ou pas, je vous trouve très sympathique. J'avais envie de faire la promo du spectacle, du DVD. On reçoit. Non, mais c'est vrai. En plus, on reçoit très peu, mais sachez-le, on reçoit très peu d'humoristes ici, et c'était vraiment par plaisir que je recevais. Ça a mal tourné. Bon. Mal tourné. Vraiment, j'y suis pour rien. Pour lui, c'est une énorme promo. Raphaël l'a dit, c'est vrai. Je voudrais pas que tu partes comme ça, donc je voudrais dire quelque chose de plus. Il y a chez toi non seulement le génie de Charlie Chaplin, ce qui est déjà pas mal, mais il y a en plus chez toi cette présence comique qu'on aimait chez Louis de Funès. Et quant au texte, certains les critiquent, je leur dis simplement. Titeuf a fait vieillir une seconde, et Palmade, et Robin, et Bedos. Et il y a chez lui non seulement la rapidité d'esprit d'un Laurent Ruquier, mais en plus la capacité d'un hardisson à interroger les gens. Et en même temps, on voit la violence d'un Baffi. Je dis Titeuf, c'est formidable. Bravo. Il est dur, hein. Mais il est drôle. Il est drôle. Ah oui. Bravo. Bon, bah écoutez, c'est bien, je crois qu'on va pouvoir y aller. Alors, normalement, c'est le moment de l'émission où je demande à l'invité, est-ce que vous restez pour qui a dit quoi? Oui. Ouais. Titoff, je le dis quand même avant, le qui a dit quoi sera à Nancy le 12 janvier, à Cannes le 18, à Clermont-Ferrand le 25, à Dijon le 30 janvier. Ça a chauffé. À Lille le 31 janvier, à l'Olympia. En première partie, Gérard Miller. À l'Olympia. Les 29, 30 et 31 décembre.
Mais franchement, ça aurait pu se passer bien mieux que ça s'est passé ce soir et ça se passera mieux la prochaine fois, j'en suis sûr. Mais premier qui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Mais ça s'est pas mal passé, d'une part. Ça arrive de se chauffer un petit peu comme ça, il n'y a pas de problème. Et ça puis fait sinon, je veux dire, qu'est-ce qu'on y peut, nous, quand. Imaginons qu'on reçoit quelqu'un, bon, je suis désolée, c'est un peu tombé sur toi ou un truc. Voilà. Voilà. T'as dit la phrase, c'est un peu tombé sur mais toi. Mais non, c'est pas ça, mais ça tombe un peu sur, ça tombe un peu souvent sur moi, en fait, contrairement à ce qu'on peut pas. Mais Maureen, on était à deux doigts de passer au qui a dit quoi. Non, deux secondes. C'est pas ça. Je voudrais juste te dire un truc. Moi j'ai l'impression de me. C'est un peu. Voilà. Paris, c'est un peu. Et le showbiz, c'est un peu Versailles. C'est un peu des gens qui s'amusent avec des gens qui s'amusent. C'est maintenant, alors pour détendre l'atmosphère, un bon sketch de Fernand Rano. Premier qui a dit quoi. Je ne monte sur scène que 2 heures par jour, il me manque 20 heures pour me faire regarder. Palmade. C'est Pierre Palmade qui a dit ça. Bravo. Vous pouvez aller, mais tout est très rapide sur le coup. Okay. Hein. Laissez quand même une priorité à l'invité. Non, mais les autres vont le dire à ma place. Pierre Palmade, que vous pouvez voir ce soir chez Mireille Dumas, sur France 3. Une fois décédé, c'est le deuxième qui a dit quoi, une fois décédé, j'ai demandé à ce que l'on répande mes cendres sur Old Trafford. C'est une vraie... Attends, laissez répondre Titoff. Cantona, bravo Titoff. Qui a joué à Marseille. On se souvient qu'il avait même jeté son maillot à un moment donné, ça avait parlé là-bas. De caractère aussi. Au stade Vélodrome. Oui, peut-être les Marseillais ont du caractère. Un petit peu. Ce qui est terrible avec les grands patrons, c'est qu'ils n'ont pas besoin de donner d'ordre pour que d'autres les exécutent. Gérard Miller. C'est Gérard Miller qui a dit ça, bravo. À propos de Jean-Marie Messier. C'est déjà la deuxième fois qu'il est magnifique. C'est ça qui est magnifique avec Gérard Miller. Elle n'est pas très compliquée, on me pose. Alors, je vais te dire, elle n'est pas c'est très ça compliquée. C'est ça qui est magnifique, Titoff, tu vas la comprendre tout de suite. On me pose la question de savoir si c'est parce que j'étais impertinent avec Jean-Marie Messier que j'étais vidé de l'émission de Drucker. Je ne pense pas une seconde que Messier ait proposé ça. Je dis ce que je pense. C'est une émission où les gens disent ce qu'ils pensent. Oui. Allez, un dernier qui a dit quoi. Et vous allez être libre, Titoff. Ta gueule, Miss Monde. Madame de Fondé. C'est pas Madame de Fondé qui dit ça. Le Père Noël est une ordure. L'origine, c'est le Père Noël est une ordure. Ouais. Exactement. C'est Gérard Jugnot dans Le Père Noël est une ordure. Et pourquoi j'ai choisi cette phrase? Parce qu'on en parle dans la presse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce soir sur France 2, on rediffuse, mais on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Le Père Noël est une ordure. C'est un film culte, non? Ouais, bah oui. C'est pas vieux ça quand même, Le Père Noël est une ordure. Non, mais j'ai jamais un peu vieux. Je m'en fous en plus. Quoi? Non, c'est un peu vieux quand même, ça fait 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ben, non, j'ai écrit ça et ma voisine, elle dit tu en fais trop. Non, c'était pour que tu partes avec une bonne impression. Non, allez-y, continue. Qu'est-ce qu'il y a, Derek? Discutez entre vous. Allez, Titoff, à l'Olympia, 29, 30 et 31 décembre. Allez le découvrir. Bye bye, à demain à 19h.